Alors, cette leçon va vous apprendre à fabriquer une leçon du même genre que celle que vous êtes en train de regarder. Alors, j'ai donc un navigateur. Je vais cliquer sur mon lien que j'ai fabriqué là. Vous devez taper ce lien-là. Vous fabriquez aussi ce lien. Une fois qu'on a fait ça, on arrive sur le site des formations continues du SEM. Il s'appelle Anticiper. Ensuite, il faut se connecter. Alors, normalement, si vous me demandez, si vous suivez ce cours, c'est que vous êtes formateur, donc vous devez avoir un identifiant. Voilà, vous arrivez sur cette page une fois que vous êtes connecté. Première étape, on a un menu en noir en haut, mais il ne va pas nous suffire. On va cliquer sur tableau de bord ici, et puis on a notre tableau de bord à gauche. Ce tableau de bord, il vous permet d'aller sur déjà l'accueil. Ensuite, vous avez LearnDash, donc c'est l'outil pour fabriquer des cours en ligne. Donc, c'est un outil qui est une option qu'on a ajoutée dans l'outil principal qui est WordPress en fait, hein, W comme WordPress. Alors, une fois que vous cliquez sur LearnDash, voilà, vous avez une vue d'ensemble, alors une vue d'ensemble avec des vidéos. Ces vidéos vous expliquent un petit peu en anglais ce qu'il faut faire pour commencer à travailler, sauf qu'elles ne sont pas pratiques et pas très complètes. Moi, je vous ai fait une traduction de toutes ces vidéos en mettant simplement un sous-titre en bas. Vous pouvez les regarder en cliquant sur le lien qui est un peu plus bas. Enfin, vous avez le bouton « Cours ». Alors, si vous cliquez là, vous avez la liste de tous les cours qui existent déjà au SEM Formation. Vous avez un bouton pour cliquer sur les vôtres, ce qui est pour ne voir que les vôtres, celles que vous avez faites vous-même. Il y en a pour moi 18. Je vais prendre par exemple un de ceux-là. Je ne vais pas créer des vidéos pédagogiques en incrustation avec le logiciel OBS Studio. C'est celui que j'ai fait dernièrement. Si je clique bouton du milieu, j'ouvre un nouvel onglet et puis je vois à quoi ressemble la fenêtre pour éditer un nouveau cours. Vous voyez qu'il y a donc deux petites icônes ici. Site origine éditeur, c'est le texte du cours que vous allez avoir sur l'écran. Et puis site origine bouton, c'est un bouton pour cliquer... pour les débutants qui doivent cliquer ici. Je regarde le cours à quoi il ressemble. Je peux toujours cliquer sur View cours. Oui. Et puis je vois que mon cours ressemble à ça. Ok. Ça c'est un exemple, n'est-ce pas? Bien sûr, je peux aussi cliquer sur un autre. Par exemple, pourquoi pas celui qui sert, qu'on est en train de voir maintenant, qui sert à la création d'un cours en ligne. N'est-ce pas? Il est là. Il y a effectivement aussi les deux icônes ici. Et puis, on va un petit peu voir ce qu'il y a dedans et puis essayer de copier et de fabriquer tout ça. Première étape, si vous commencez à zéro, ben, vous n'avez rien ici, en tout cas en cliquant sur les miens. Donc, vous allez cliquer sur « Add new » ici. Donc, vous allez faire un nouveau cours. J'essaye. Voilà, première étape, titre du cours. Bien sûr, là j'ai mis un titre qui s'appelait « Création d'un cours en ligne du SEM Formation ». Moi, je vais faire un cours qui s'appelle « Utilisation de la calculatrice ». Il y a le numéro du cours. Alors là, ce sera SEM 10XXX, un numéro que j'invente. Voilà. On commence toujours par dire à qui s'adresse ce cours. Alors, c'est primaire, secondaire, n'est-ce pas? Non. Donc, si je vais regarder un petit peu le contenu du cours ici, alors je clique sur « Éditer le premier élément qui est le texte ». Et puis voilà, effectivement, c'est écrit « primaire, secondaire ». Alors, s'il s'adresse aux deux groupes, pour les enseignants primaires et les enseignants secondaires, on met les deux.
Alors, je vais faire un CTRL-C, puis je vais mettre la même chose là. Alors, vous voyez que là, je suis en mode visuel ou texte ou page builder. Donc, j'ai actuellement au mode texte, on peut taper notre texte ici. Sauf qu'on a toutes les balises de HTML qui vont s'afficher là. En visuel, on est comme ça s'affichera réellement, on peut le taper. Ou bien au mode page builder, c'est celui que je préfère, mais bon, les deux vont bien. En mode page builder, on ajoute un widget. Le widget, c'est site origine éditeur. Il est là. À l'intérieur, on va mettre pas forcément un titre. On met primaire, secondaire. Ici, on va mettre l'image. Une image pour agrémenter le cours. Alors, comme je vais utiliser la calculette, faire un cours pour utiliser une calculette, ben, je vais simplement faire une capture d'écran d'une image de calculette. Je dois avoir ça dans utilitaire. Voilà, c'est ça. Voilà notre calculette. Et puis, ben, je vais faire un print screen. Je crois que ça marche plus bien. Il faut aller ici maintenant, utilitaire, spectacle. C'est long. Voilà. Et puis, ça capture tout l'écran. Alors, je vais fenêtre juste la fenêtre active. Là, ouais, c'est ça. Prendre une nouvelle capture. Et voilà. J'ai mon image. Je vais enregistrer ça sur le bureau. Je vais l'appeler screenshot, etc. C'est la date. Hop, elle apparaît ici. Je peux fermer mon outil de capture d'écran. Je peux même fermer ma calculette. Et puis, cette image-là, je dois la mettre dans les médias. Alors, je peux cliquer, j'ai un bouton pour ajouter un média. Ajouter un média ici. Je vais. Tiens, il y a un bug d'affichage ici. Je ne sais pas pourquoi. Oui, il y a un bug d'affichage. C'est pas grave. Téléverser des fichiers. Et puis, je dois faire ça, je pose. Ça marche? Oui, mais je ne comprends pas pourquoi. Il y a vraiment un bug d'affichage. C'est cette image-là et on la voit cachée. Mystère. N'est-ce pas? Je vois pas tout. Bon, il faudra que je débug tout ça. Puis je clique insérer dans la publication et elle est là. Une fois que j'ai terminé, je peux enregistrer, mais je n'ai pas terminé, hein. Après avoir fait ça, je vais en dessous, je tape la suite du texte de mon cours. Si je reprends l'exemple qui était là, après, ben, j'ai ce cours vous apprend à. Alors, moi, je vais faire un copier-coller d'une partie en tout cas. Ce cours vous apprend à utiliser la calculette. Voilà. Après, je vais mettre, comme ici, une liste des leçons pour savoir un petit peu combien il y a de leçons et qu'est-ce qu'on y fait dans ce cours. Bon, ben, allons-y. Je vais donc ici ajouter le son. Je vais mettre ça sous forme de titre 3. C'est une importance qui me va. C'est pas si gros. Puis je vais mettre sous forme de puce. Les puces. Peut-être que si j'augmente la taille, ça ira mieux. Si sous forme de puce, ici j'ai des puces numérotées. Je mets le son 1, ben, c'est ouvrir la calculette. Leçon numéro 2, ce sera faire une addition. La leçon numéro 3, ben, comme tous les cours, il doit y avoir une évaluation pour qu'on puisse vérifier qui a fini, terminé les cours. Donc, évaluer le cours. Et puis ce sera tout. Mais l'étape suivante, ce sera, on enlève les puces, un petit message comme ici pour dire en cas de question, je réponds volontiers à vos messages, etc. Et puis ce message en rouge
pour dire que vous devez remplir l'évaluation et éventuellement répondre au quiz si on en a un. Contrôle C. Contrôle V. Voilà. Et puis on a tout ça. Une fois qu'on a fini ça, on clique sur terminer. Ah, j'avais mis ça en rouge. Ah bah j'ai changé de pull. Bon, c'est mystérieux. Alors on va cliquer sur le bouton ici pour avoir les boutons de couleur. Le texte à modifier, il est là. Et puis on va mettre tout ça en rouge. Voilà. On va voir si ça marche deux fois. Après, il faut ajouter le bouton en dessous. On va donc de nouveau ajouter un widget. On va site origine bouton. Il est là. Ah bah tiens, j'ai déjà cliqué. Ça me fait tout seul. Je clique sur éditer. Ma souris réagit mal. Éditer. Le texte du bouton, c'est comme ici. Alors je vais copier le texte du bouton là, avant de lire, à lire avant de commencer la formation. Là, le lien, c'est ça. Remettez toujours le même. Comme ça, tout le temps, pour tous vos cours, vous aurez le même bouton avec le fait qu'il ouvre dans un nouvel onglet, le même icône. L'icône, il faut choisir un petit rond avec un point d'exclamation dedans. Il y a plusieurs listes, je ne sais pas s'il est dans le générique. Il doit être là. Voilà, ça doit être celui-là. Sélectionner une couleur, il va rester comme ça à gauche. Ok, ben on va dire que c'est terminé. On va voir à quoi ressemble tout ça. Mettre à jour, view. Et on a bien un bouton, le texte en rouge, la liste des leçons, le texte qui explique ce que fait la cour. Il manque le cours, il manque le point ici, une image primaire, secondaire, un numéro. On a fini la leçon. Pardon, on a fini le cours, il va falloir faire les leçons maintenant.